Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs et fidèles auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio Vatican, Vatican Média, en direct de la place Saint-Pierre au Vatican pour assister à l'audience générale du pape François en ce mercredi 20 avril, mercredi de l'octave de Pâques. C'est la première audience qui se tient sur la place Saint-Pierre depuis le début de la pandémie. Christian Combet pour vous accompagner tout au long de cette audience. Le pape, nous le voyons sur la Papa Mobile qui salue les fidèles pèlerins venus nombreux en ce mercredi de l'octave de Pâques pour assister à l'audience générale. L'audience générale, le pape François qui avait débuté une série de catéchèses sur le thème de la vieillesse, et qui va certainement continuer sur ce thème. Là, on voit le pape en train de saluer un enfant et de saluer les pèlerins qui sont joyeux, contents, en cette octave de Pâques, d'assister à l'audience générale et la catéchèse qui sera donnée par le pape François. Nous saluons les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent à travers les télévisions et radios partenaires. Radio Salve Regina en Corse, Radio Notre-Dame, EWTN TV, Radio Espérance, Celle et Lumière TV, Radio et Télévision Catholique Élikia à Kinshasa, Radio Maria en République démocratique du Congo, Ecclesia TV de Côte d'Ivoire, Sancta Maria Network au Liban et Voix du Seigneur Média catholique au Canada. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en direct de la place Saint-Pierre au Vatican, où dans quelques instants, le pape François que nous voyons sur la Papa Mobile va tenir sa catéchèse habituelle de mercredi durant cette audience générale. Nous voyons donc là sur la place Saint-Pierre le pape François en train de saluer les fidèles et pèlerins en grand nombre pour assister à cette catéchèse. Pour rappel, le pape François avait initié une série, un cycle de catéchèses sur le thème de la vieillesse. Et la semaine passée, mercredi 13 avril, avec la Semaine Sainte, il y avait une petite rupture. Le pape avait parlé de la paix apportée par Jésus lors de son entrée à Jérusalem, puis de sa Pâque. Une paix qui ne suit pas les stratégies du monde, mais qui naît du don de soi, et qui doit nous inviter à faire de même dans le contexte actuel. La paix qu'apporte Jésus, avait souligné le Saint-Père, n'est pas celle qu'attendait la foule de Jérusalem. Rameau en main, celle-ci acclamait Jésus comme un Messie puissant, qui laisse une paix glorieuse en les libérant des Romains. Mais Jésus ne s'est jamais présenté en ces termes, avait souligné le pape François. Il apporte plutôt la paix par la mansuétude et la douceur symbolisée par le petit âne que personne n'avait encore jamais monté, comme pour signifier que la façon de faire de Dieu est différente de celle du monde. Voilà ce que le pape avait enseigné durant sa catéchèse le mercredi passé. Aujourd'hui, il reprendra sûrement son cycle de catéchèses sur le thème de la vieillesse, un thème très cher au pape François, la vieillesse, le soin, le respect pour les générations précédentes, les générations des aînés, cette solidarité entre les générations, un thème cher au pape François. Donc nous voyons le pape là, sur la Papa Mobile, place Saint-Pierre, en train de saluer les pèlerins joyeux, nombreux, pour assister à cette catéchèse de l'évêque de Rome. Pour ceux qui viennent de nous joindre, nous sommes là, place Saint-Pierre, où dans quelques instants, le pape François
va débuter l'audience générale et délivrer sa catéchèse sur le thème de la vieillesse. Place Saint-Pierre, bondée de monde, nous le signalons, c'est la première audience générale qui se tient sur la place Saint-Pierre depuis le début de la pandémie. Avec la pandémie, l'audience générale se tenait le plus souvent dans la salle Paul VI, mais aujourd'hui, l'audience générale et la catéchèse du pape sera donnée sur la place Saint-Pierre, que vous pouvez voir remplie de monde, des pèlerins, des fidèles venus en grand nombre pour écouter cette catéchèse du Saint-Père. Le pape qui continue d'avancer en saluant les pèlerins pour initier enfin le début de cette audience générale où il donnera sa catéchèse sur le thème de la vieillesse. Comme nous l'avons dit, le pape avait initié un cycle de catéchèse sur le thème de la vieillesse, la solidarité entre les générations. Aujourd'hui, il va certainement poursuivre avec ce thème qui avait été interrompu pendant les périodes, pendant la Semaine Sainte, où le pape avait consacré sa catéchèse sur le thème de la paix, la vraie paix, celle qu'apporte Jésus comme un Messie doux. Nous voyons la place Saint-Pierre remplie de monde, mais aussi extrêmement belle, décorée. On peut remarquer la joie des fidèles qui salue le pape, voilà, il est en train de bénir un enfant et saluer les pèlerins qui sont extrêmement joyeux de participer à cette audience générale et la catéchèse que donnera le successeur de Pierre. Pour ceux qui nous ont rejoints en chemin, nous sommes en direct de la place Saint-Pierre où le pape François va initier l'audience générale et continuer avec son cycle de catéchèse sur le thème de la vieillesse. Le pape qui avait débuté cette série de catéchèses sur le thème de la vieillesse, nous en sommes à la sixième catéchèse sur ce thème. Un thème qui, selon le pape, qui est cher au pape. Et nous voyons là la place Saint-Pierre fleurie, avec de décorations extrêmement belles. Cette décoration qui a été réalisée durant la Semaine Sainte, grâce à la contribution généreuse de fleuristes hollandais et de professeurs, voilà, de l'Institut biotechnologique de la Slovénie et la collaboration des jardiniers du Vatican.
Vous pouvez admirer la beauté de cette place Saint-Pierre fleurie. Le pape qui avance sous les ovations, les applaudissements des fidèles et des pèlerins, impatient d'écouter la catéchèse qu'il va délivrer. On voit donc le Saint-Père avancer vers le lieu d'où il délivrera sa catéchèse sous les applaudissements, les ovations des fidèles et des pèlerins présents pour écouter cette catéchèse et participer à cette audience générale. Nous apercevons là les fidèles et pèlerins extrêmement joyeux, avec divers drapeaux et symboles des différents pays et nationalités présentes sur cette place Saint-Pierre, qui reçoit de nouveau du monde pour l'audience générale. Le pape qui avance donc pour les débuts de l'audience générale. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, L'audience va bientôt commencer avec le signe de la croix. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. C'est donc là le début de l'audience générale. Nous suivons à présent la lecture de l'extrait de la parole de Dieu sur lequel va se baser la catéchèse du pape. Il est tiré du livre du Siracide, au troisième chapitre, du troisième au sixième verset, puis du douzième au treizième verset. Ce passage est lu présentement en italien, mais il sera également lu dans diverses autres langues. Soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. Sii indulgente, anche se perde il senno, e non disprezzarlo mentre tu sei nel pieno vigore. Chi abbandona il padre è come un bestemmiatore. Chi insulta sua madre è maledetto dal Signore. Parola di Dio. La lecture en présent qui sera faite du livre en français. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Qui abandonne son père est un blasphémateur. Qui met en rage sa mère
et maudit du Seigneur. Parole du Seigneur. Présent, la lecture de cette page de l'Écriture sera faite en anglais. A reading from the book of Sirach. Whoever honors his father atones for sins, and whoever glorifies his mother is like one who lays up treasure. Whoever honors his father will be gladdened by his own children, and when he prays, he will be heard. Whoever glorifies his father will have long life, and whoever obeys the Lord will refresh his mother. O son, help your father in his old age, and do not grieve him as long as he lives. Even if he see lacking in understanding, show forbearance and do not despise him all the days of his life. Whoever forsakes his father is like a blasphemer, and whoever angers his mother is cursed by the Lord. The word of God. L'extrait de la parole de Dieu à présent sera lu en allemand. Aus dem Buch Jesus Sirach. Wer den Vater ehrt, sühnt Sünden, und wer seine Mutter ehrt, sammelt Schätze. Wer den Vater ehrt, wird Freude haben an den Kindern, und am Tag seines Gebets wird er erhört. Wer den Vater ehrt, wird lange leben, und seiner Mutter verschafft Ruhe, wer auf den Herrn hört. Kind, nimm dich deines Vaters im Alter an und kränke ihn nicht, solange er lebt. Wenn er an Verstand nachlässt, übe Nachsicht und verachte ihn nicht in deiner ganzen Kraft. Wie ein Gotteslästerer ist, wer den Vater im Stich lässt, und ein vom Herrn Verfluchter ist, wer seine Mutter erzürnt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del Eclesiástico. C'est en espagnol maintenant que la lecture du livre de Siracide est faite. Y al que respeta a su madre es como el que acumula tesoros. El que honra a su padre recibirá alegría de sus propios hijos y será escuchado cuando ore. El que respeta a su padre tendrá larga vida. El que obedece al Señor da tranquilidad a su madre. Hijo, cuida a tu padre en su vejez. No le causes tristeza mientras viva. Y si pierde la cabeza, debe ser comprensivo con él. No lo desprecies cuando tú estás en el pleno vigor. El que abandona a su padre es como un blasfemo. Y el Señor maldice al que irrita a su madre. Palabra del Señor. Leitura do livro de Ben-Sirá.
La même lecture nous est proposée à présent en langue portugaise. Quem honra a sua mãe é semelhante ao que acumula tesouros. Quem honra o pai encontrará alegria nos filhos e será ouvido no dia da sua oração. Quem glorifica o pai gozará de longa vida e quem obedece ao Senhor consolará a sua mãe. Filho, ampara o teu pai na velhice, não o desgostes durante a sua vida, mesmo se ele vier a perder a razão. Sê indulgente, não o desprezes. Tu que estás na plenitude das tuas forças, é um blasfemador o que desampara o seu pai, e é amaldiçoado pelo Senhor aquele que irrita a sua mãe. Palavra do Senhor. قراءه من سفر يشوع بن سيراخ. Présent la page de l'écriture est proposée en langue arabe. ومن عظم امه فهو كمدخر الكنوز. من اكرم اباه سر باولاده وفي يوم صلاته يستجاب له. من عظم اباه طالت ايامه ومن اطاع الرب اراح امه. يا بني أعن أباك في شيخوخته ولا تحزنه في حياته. كن مسامحا وإن فقد رشده ولا تهنه وأنت في كل قوتك. من خذل أباه كان كالمجدف ومن أغاظ أمه فلعنة الرب عليه. كلام الرب. Czytanie z Księgi Mądrości Syracha. Le même passage est lu à présent en polonais. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów. A kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie. A kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości. Nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśli by nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość. Nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Kto porzuca ojca swego, jest jak bluźnierca. A przeklęty przez Pana, kto pobudza do gniewu swą matkę. Oto Słowo Boże. La lecture du livre de Ben Sirach a été faite dans les différentes langues. À présent, le pape va délivrer sa catéchèse, son enseignement donc sur cet extrait de l'écriture qui s'inscrit, comme nous le voyons, dans le thème de la vieillesse, de la tension aux personnes âgées. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Oggi, con l'aiuto della parola di Dio che abbiamo ascoltato, aujourd'hui, avec l'aide de la parole de Dieu que nous avons entendue, nous ouvrons un passage à travers la fragilité de la vieillesse, marquée de manière spéciale par les expériences de désorientation et de désillusion, de perte et d'abandon, de désillusion et de doute.
Naturellement, l'expérience de notre fragilité face aux situations dramatiques, parfois tragiques de la vie, peut survenir à tout moment de l'existence. Cependant, avec la vieillesse, elles peuvent apparaître moins impressionnantes et induire chez les autres une sorte d'accoutumance, voire d'agacement. Nous l'avons souvent senti, ou nous l'avons pensé, que les vieux agacent, ils fatiguent. Il ne faut pas dire cela. Nous l'avons déjà dit, nous l'avons pensé. Les blessures plus graves de l'enfance et de la jeunesse provoquent à juste titre un sentiment d'injustice et de rébellion, une force de réaction et de combat. Au contraire, les blessures, même graves, de la vieillesse s'accompagnent inévitablement du sentiment que, de toute façon, la vie ne se contredit pas, puisqu'elle a déjà été vécue. C'est ainsi que les vieux sont un peu éloignés de notre expérience. Dans l'expérience humaine commune, l'amour, comme on le dit, est descendant. Il ne retourne pas à la vie qui est derrière avec la même force avec laquelle il se déverse sur la vie qui est encore devant nous. La gratuité de l'amour apparaît aussi en cela. Les parents l'ont toujours su, les anciens l'apprennent tôt. Néanmoins, la révélation ouvre la voie à un retour d'amour différent. C'est la manière d'honorer ceux qui nous ont précédés. La voie d'honorer ceux qui nous ont précédés, honorer les vieux. Cet amour particulier qui ouvre la voie sous forme d'honneur, tendresse et respect à la fois destiné aux personnes âgées et scellé par le commandement de Dieu. Honore ton père et ta mère est un engagement solennel, le premier de la deuxième table des 10 commandements. Il ne s'agit pas seulement de son père et de sa mère. Il s'agit de la génération et des générations précédentes, dont le départ peut également être lent et prolongé, créant un temps et un espace de coexistence durable avec les autres âges de la vie. En d'autres termes, il s'agit de la vieillesse de la vie, la vieillesse. L'honneur est un mot juste pour encadrer ce domaine de restitution de l'amour qui concerne l'âge avancé. Nous avons reçu l'amour des parents et des vieux. Maintenant, il s'agit de les restituer cet amour aux anciens, aux vieux. Aujourd'hui, nous avons redécouvert le terme « dignité » pour indiquer la valeur du respect et de la prise en charge de la vie de chacun. La dignité ici est essentiellement équivalente à l'honneur. Honorer le père et la mère, honorer les anciens, c'est reconnaître la dignité, leur dignité. Réfléchissons bien à cette belle déclinaison de l'amour qu'est l'honneur. Le soin même des malades, le soutien de ceux qui ne sont pas autosuffisants, la garantie de subsistance peuvent manquer d'honneur. L'honneur vient à manquer lorsqu'un excès de confiance, au lieu de s'exprimer par la délicatesse et l'affection, la tendresse et le respect se transforment en rigidité et en prévarication. Quand la faiblesse est réprochée et même punie, comme si c'était une faute, quand l'incompréhension et la confusion deviennent une ouverture pour la dérision et l'agressivité. Cela peut se produire même à la maison, dans les centres de soins, ainsi que dans les bureaux ou dans les espaces ouverts de la ville.
encourager chez les jeunes, même indirectement, une attitude de condescendance et même de mépris envers les personnes âgées, leur faiblesse et leur précarité, produit des choses horribles. Elle ouvre la voie à des excès inimaginables. Les jeunes qui mettent le feu à la couverture d'un clochard, nous l'avons vu, parce qu'ils les considèrent comme un déchet humain. Et plusieurs fois, nous pensons que les vieux sont des déchets. Ces jeunes qui mettent le feu à la couverture d'un clochard ne sont que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire du mépris pour une vie qui, loin des attraits et des élans de la jeunesse, apparaît déjà comme une vie à l'écart. Mépriser les vieux et les écarter. Ce mépris qui déshonore les personnes âgées nous déshonore tous en réalité. Si je déshonore un vieux, je me déshonore. Le passage du livre du Siracide entendu au début est à juste titre sévère à l'égard de ce déshonneur qui crie vengeance aux yeux de Dieu. Il y a un passage dans l'histoire de Noé qui est très expressif à cet égard. Le vieux Noé, héros du déluge, est toujours travailleur et est inconscient après avoir bu quelques verres de trop. Déjà vieux, mais il boit. Ses fils, pour ne pas le réveiller dans l'embarras, le couvrent doucement en regardant vers le bas avec un grand respect. Ce texte est très beau et il dit tout de l'honneur dû aux vieux. Couvrir les faiblesses des anciens. C'est un texte qui nous aide beaucoup. Malgré toutes les dispositions matérielles que les sociétés plus riches et plus organisées mettent à la disposition des personnes âgées, desquelles nous pouvons certainement être fiers, la lutte pour restaurer cette forme spéciale d'amour qu'est l'honneur me semble encore fragile et immature. Nous devons tout faire pour la soutenir et l'encourager en offrant un meilleur soutien social et culturel à ceux qui sont sensibles à cette forme décisive de la civilisation de l'amour. Et à cela, je vais conseiller les parents de grâce. Habituer les jeunes avec les vieux. Rendez-les proches quand un vieux est malade. Rendez-lui proche des enfants. C'est notre chair. C'est une possibilité. De grâce, n'éloignez pas les vieux. S'il n'y a pas d'autre possibilité, il faut le mettre dans une maison de repos, il faut aller les visiter et il faut amener les jeunes auprès des vieux. Il faut honorer les vieux. Cet honneur ouvre les portes. Et plusieurs fois, les enfants se souviennent de cela. Quand j'étais à Buenos Aires, j'avais l'habitude de visiter les maisons de repos. Visiter chacun. Et je me rappelle une fois, je demandais à une dame « Combien d'enfants as-tu ? » Elle a dit « 4 enfants avec plusieurs petits-enfants. Est-ce qu'ils viennent vous voir ? » Oui, ils viennent toujours. Quand je suis sorti, l'infirmière m'a dit « Père ». Elle a fait un petit mensonge pour couvrir ses enfants. Ils ne viennent pas. Ça, c'est éloigner, écarter les vieux. Et penser que les vieux sont des matériels, des déchets.
de grâce, c'est un péché grave. Le premier grand commandement est le seul qui a une promesse. Honore ton père et ta mère et tu auras une vie longue sur la terre. Ce commandement d'honorer les vieux nous donne une bénédiction. Avoir une longue vie, de grâce. Prenez soin des vieux, même s'ils perdent la raison, prenez soin d'eux, parce qu'ils sont la présence de l'histoire, la présence de notre famille, et grâce à eux, nous sommes là. Nous pouvons leur dire, grâce à toi, je suis là. De grâce, ne les laissez pas seuls. E questo di custodire i vecchi non è una questione di cosmetici. Prendre soin des vieux n'est pas une question de cosmétique et de chirurgie plastique. Il s'agit plutôt d'une question d'honneur qui doit transformer l'éducation des jeunes par rapport à la vie et à ses phases. L'amour pour l'humain qui nous est commun, qui inclut l'honneur de la vie vécue, n'est pas une affaire de vieux. Il s'agit plutôt d'une ambition qui fera briller la jeunesse qui héritera de ses meilleures qualités. Que la sagesse de l'Esprit de Dieu nous permette d'ouvrir l'horizon de cette véritable révolution culturelle avec l'énergie nécessaire. Merci. Nous venons donc d'écouter là cette belle catéchèse du pape François sur le thème de la vieillesse, honorer le père et la mère, honorer les anciens. Après les résumés les fidèles de langue française de la catéchèse, exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Aujourd'hui, nous réfléchissons à une dimension essentielle de l'amour, celle qui consiste à honorer tous ceux qui nous précèdent. Cet honneur pour les personnes âgées, fait à la fois de tendresse et de respect, est un commandement du Seigneur. Honore ton père et ta mère. En réalité, il s'agit ici plus largement des générations précédentes qui coexistent parfois durablement avec les autres âges de la vie. Nous avons redécouvert comme expression de cet honneur dû aux anciens le terme « dignité » qui indique bien l'importance de respecter et de prendre en charge la vie des plus fragiles. L'honneur fait défaut lorsque la faiblesse et la précarité qui sont au cœur de l'expérience du grand âge sont blâmées, voire même punies comme une faute, et mènent parfois à des attitudes abusives, agressives et même violentes. Cela peut se produire à la maison, dans les maisons de soins ou même dans la rue. Ce mépris qui déshonore les personnes âgées nous déshonore en réalité tous. Nous devons tout faire pour soutenir et encourager cette mise à l'honneur de la vie vécue, notamment dans l'éducation des plus jeunes. Que la sagesse de l'Esprit de Dieu nous donne l'énergie nécessaire pour mettre en œuvre ce qui est l'une des formes décisives de la civilisation de l'amour. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones.
Saluto cordialmente le persone di lingua francese presenti oggi, in modo particolare i giovani di Fréjus, Toulon e di Parigi. E i pellegrini di Monaco, accompagnati del loro vescovo Monsignor David. In questi giorni dell'ottava, segnati dalla gioia della Pasqua, preghiamo soprattutto per gli anziani, perché con il sostegno delle loro famiglie e delle comunità cristiane collaborino con la loro saggezza ed esperienza alla trasmissione della fede e all'educazione delle nuove generazioni. Cristo risorto vi benedica. En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les personnes de langue française présentes aujourd'hui, particulièrement les jeunes du diocèse de Fréjus-Toulon, les lycéens de Paris et les pèlerins de Monaco, accompagnés par leur évêque, Monseigneur David. En ces jours de l'octave marqués par la joie de Pâques, prions particulièrement pour les personnes âgées, afin que, grâce au soutien de leur famille et des communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience à la transmission de la foi et à l'éducation des nouvelles générations. Que le Christ ressuscité vous bénisse. Nous venons d'écouter le résumé de la catéchèse du pape en français, suivi de la salutation du pape. À présent, nous allons écouter la synthèse de la catéchèse du Saint-Père en langue anglaise, laquelle sera suivie de la salutation du pape aux pèlerins de langue anglaise, comme cela a été le cas avec les francophones. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, with the help of the Word of God, we focus today on the fragility of old age. While reminders of our fragility can occur at any point in life, it seems that they only provoke a strong reaction when they happen to young people. In this regard, our common experience envisions love as something descending, a gift freely given by parents and the elderly to younger generations. Divine revelation, however, shows us another way of loving, honoring those who came before us. This special love was made sacred by God through its inclusion in the Ten Commandments. The commandment is not limited to just one's own father or mother, but extends to all the generations that came before us. The honor due to the elderly must never be forgotten, regardless of their physical or mental condition, as today's scripture passage from the book of Sirach reminds us. This lesson is also evident in the way that Noah was treated by his children after he had had too much to drink. Amid all the present-day resources dedicated to the care of the elderly, we must always strive to offer them that special form of love, that honor which is due to them. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna. Je salue les pèlerins de langue anglaise présents à l'audience d'aujourd'hui, en particulier ceux d'Angleterre, du Myanmar et des États-Unis d'Amérique. Dans la joie du Christ ressuscité, j'invoque sur vous et vos familles l'amour miséricordieux de Dieu notre Père. Que le Seigneur vous bénisse. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England,
Myanmar, and the United States of America. In the joy of the risen Christ, I invoke upon you and your families the loving mercy of God, our Father. May the Lord bless you all. C'est à présent le résumé de la catéchèse du Saint-Père en allemand, qui sera suivi, comme nous l'avons vu, par la salutation du Saint-Père aux fidèles germanophones. Wir bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, ältere Menschen machen oft die Erfahrung, dass sie nicht mehr wie früher am Leben der anderen teilnehmen können. Sie fühlen sich zurückgesetzt und unverstanden. Dieser Eindruck wird nicht selten verstärkt durch eine gewisse Überheblichkeit der Jüngeren, denen die Schwäche und die Unsicherheit der Alten für ihre eigene Lebensgestaltung lästig werden. Die älteren Menschen ihrerseits fühlen sich in Frage gestellt und dies im Kontrast zu den reichen Erfahrungen ihres gelebten Lebens, die auch im Alter nicht verloren gehen. Die Geringachtung, die den Alten keine Ehre schenkt, entehrt aber in Wirklichkeit uns alle zusammen. Die Heilige Schrift spricht sehr entschieden davon, die ältere Generation zu ehren. Ehre deinen Vater und deine Mutter ist eine feierliche Aufforderung, mit der die zweite Tafel der 10 Gebote beginnt, die dem Moses von Gott selbst offenbart worden ist. Die Ehrerbietung ist ein Ausdruck der Liebe, die der älteren Generation gebührt für all das, was sie, sei es in der Familie oder in der Gesellschaft, für uns geleistet hat. Der Abschnitt aus dem Buch Jesus Sirach, den wir gehört haben, spricht sogar davon, dass derjenige, der die Eltern ehrt, selbst eine reiche Belohnung für sein Leben erhält. Die Erziehung zur Ehrerbietung gegenüber den Älteren hilft den jungen Menschen, ein tieferes Verständnis für den Wert des Lebens und die Würde der menschlichen Person zu finden. Der Heilige Geist schenke uns dazu die nötige Kraft und Einsicht. Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Je salue cordialement les fidèles germanophones. Je souhaite un bon temps pascal rempli de la grâce du Seigneur ressuscité à vous et à vos familles. En même temps, prions pour la paix et pour le réconfort de toutes les familles qui souffrent à cause des guerres dans le monde. Herzlich grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Eine gute Osterzeit, erfüllt von der Gnade des auferstandenen Herrn, wünsche ich euch allen und euren Familien. Beten wir zugleich für den Frieden und um Trost für all die Familien, die wegen der Kriege in der Welt viel Leid erfahren. Nous allons
écouter à présent les résumés de la catéchèse de Saint-Père en espagnol. Ce résumé sera fait directement par le pape François lui-même. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. À présent, le pape va faire le résumé de sa propre catéchèse en espagnol. Cette catéchèse qu'il a dédiée au thème de la vieillesse, en particulier l'honneur, honore ton père et ta mère. Et à la fin de ce résumé, il va aussi accorder sa bénédiction aux pèlerins hispanophones, comme il l'a fait avec les pèlerins de langue précédente. Además, consideremos que no se trata solo de honrar a los ancianos cubriendo sus necesidades materiales, sino sobre todo de honrarlos. De dignificarlos con el amor, con la cercanía y con la escucha. Muchas veces, lamentablemente, los ancianos son objeto de burlas, incomprensiones, desprecio. Incluso llegan a ser víctimas de la violencia o se los considera material de descarte. Por eso es importante que transmitamos a las nuevas generaciones, a las jóvenes generaciones, que el amor a la vida hay que manifestarlo siempre y en todas sus etapas, desde la concepción hasta su fin natural. Incluso, de modo especial, honrar la vida vivida por nuestros mayores y honrarla con ternura y con respeto. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Je salue cordialement les pèlerins hispanophones. En ces jours de Pâques, nous demandons au Christ ressuscité de nous accorder douceur et patience dans nos rapports avec les personnes qui nous entourent, en particulier celles qui traversent l'étape de la vieillesse. Joyeuse Pâques, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Le pape qui vient de faire le résumé de sa propre catéchèse en espagnol. À présent, le même exercice sera fait par un lecteur du résumé de la catéchèse du pape en langue portugaise à l'endroit des fidèles et pèlerins lusophones. E quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial. Que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A experiência da fragilidade humana no meio dos dramas da vida pode acontecer ao longo de toda a nossa existência, mas, na velhice, talvez surpreenda menos os outros, talvez lhes cause menor impressão, desinteressando-se porque pensam, era de esperar. Este desinteresse e desprezo que desonra o idoso
na realidade desonra-nos a todos nós. Hoje, voltamos a descobrir o termo da dignidade para indicar o valor do respeito e do cuidado da vida de quem quer que seja. Este amor especial pela terceira idade, ao qual abre sobre a forma de honra, ou seja, sobre a forma simultaneamente de ternura e respeito. Este amor especial é selado pelo mandamento de Deus, honra pai e mãe. Esse trecho do livro de Ben-Sirá, que ouvimos ao início, é justamente duro com essa falta de honra, que clama vingança aos olhos de Deus. Aqui não estamos diante de uma questão de cosmética ou de cirurgia plástica, mas de uma questão de honra, que revela a nossa compreensão da vida e das suas fases. O amor pelo humano que todos compartilhamos, incluindo a honra pela vida vivida, não é um problema de idosos, mas uma virtude de todos, que se encontra entre as qualidades melhores de cada um. Não obstante as estruturas e prestações de assistência que as sociedades mais ricas e organizadas vão colocando à disposição da terceira idade, e das quais podemos certamente sentir-nos orgulhosos, aparece ainda frágil e fria a luta para se chegar a oferecer aquela especial forma de amor que é honra devida aos idosos. Devemos fazer tudo para sustentar uma tal luta, prestando o melhor apoio social e cultural àqueles que são sensíveis a essa decisiva forma de civilização de amor. Que o Espírito de Deus nos conceda a sabedoria de abrir horizontes nessa verdadeira e própria revolução cultural. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Je salue cordialement les fidèles lusophones et leur souhaite des joyeuses et saintes Pâques. Face aux douloureuses défaites de la vie, le Christ, vainqueur du péché, de la peur et de la mort, nous exhorte à ne pas céder au mal et à la violence. Laissons-nous vaincre par la paix du Christ. En son nom, je vous bénis, vous et vos proches. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa, a todos desejando santos dias de Páscoa. Perante as dolorosas derrotas da vida, Cristo, vencedor do pecado, do medo e da morte, exorta a não se render ao mal e à violência. Deixemo-nos vencer pela paz de Cristo. Em seu nome vos abençoo, a vós e aos vossos entes queridos. Après cette synthèse de la catéchèse du pape en langue portugaise et la salutation du pape, c'est à présent au tour des pèlerins de langue arabe d'entendre le résumé de la catéchèse du Saint-Père en leur langue. يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على واجب إكرام الوالدين أي محبة الحياة التي مضت وقال
هذه المحبة مختومة بوصية الله أكرم أباك وأمك، وهي التزام كبير. هناك أمور كثيرة في الحياة يمكن أن تفتقد الإكرام، مثل رعاية المرضى وضمان المعيشة. يغيب الإكرام عندما تتحول الثقة إلى قسوة وظلم، بدل أن تكون رقة وعطفا وحنانا واحتراما، وعندما نصير نتهم الضعف كأنه خطيئة، وعندما يصبح الضياع والارتباك مدخلا للسخرية والعدوانية. يمكن أن يحدث هذا في العائلات نفسها ودور الرعاية والمكاتب وفي الشوارع. عندما نشجع الشباب بأن يزدروا كبار السن، ينتج عن ذلك أشياء مروعة. هذا الازدراء الذي يهين كبار السن في الواقع يهيننا كلنا. وعلى الرغم من كل العناية المادية التي توفرها المجتمعات الأكثر ثراء وتنظيما للشيخوخة، التي بالتأكيد نفخر بها، فإن الكفاح من أجل استعادة تلك الصيغة الخاصة للمحبة التي هي الإكرام، تبدو لي أنها لا تزال ضعيفة وغير ناضجة. لهذا يجب علينا أن نفعل كل شيء لدعمها وتشجيعها، وأن نقدم دعماً اجتماعياً وثقافياً أفضل للذين يعملون من أجل هذه الصيغة في حضارة المحبة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Je salue les fidèles arabophones. Le commandement « Honore ton père et ta mère » est le quatrième des 10 commandements de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'honorer nos parents, mais aussi d'honorer tous nos aînés et ceux qui nous ont précédés dans la maison éternelle. Celui qui honore son père et sa mère, que Dieu prolonge ses jours. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous protège toujours de tout mal. بل أيضاً بإكرام جميع كبار السن ومن سبقون منهم إلى الدار الأبدية. ومن أكرم أباه وأمه أطال الله عمره. بارككم الرب جميعاً وحماكم دائماً من كل شر. Nous venons donc de suivre la synthèse de la catéchèse du pape en langue arabe et la bénédiction du pape à l'endroit des fidèles arabophones. C'est maintenant en polonais que sera donnée la synthèse de la catéchèse du Saint-Père, qui sera suivie, comme pour toutes les autres langues, des salutations et de la bénédiction du pape aux fidèles polonais. Związanych z posługą apostolską następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto główne myśli katechezy Ojca Świętego. Dzisiaj podejmujemy rozważanie dotyczące podeszłego wieku, naznaczonego w szczególny sposób doświadczeniem słabości i cierpienia. Osobom starszym jesteśmy winni cześć, wdzięczność i szacunek, by w ten sposób okazać im i odwzajemnić miłość, którą darzyli nas przez całe życie. Ma ona swoje odniesienie do przykazania Bożego, czci ojca swego i matkę swoją. Nie chodzi w nim tylko o naszych rodziców, ale o wszystkie osoby starsze. Zastanówmy się nad szczególną odmianą miłości, jaką jest cześć dla tych osób. Wiemy, że niekiedy może jej zabraknąć, na przykład w kwestii opieki nad chorymi, którzy są zależni od innych, w sferze niesionej im pomocy czy w zapewnieniu im stosownego utrzymania. Brakuje czci,
Kiedy słabość człowieka jest wytykana, krytykowana, a nawet karana, tak jakby była winą, gdy zagubienie i niedołężność stają się pretekstem do drwin i agresji. Lekceważenie czy pogarda okazywane osobom starszym urągają w rzeczywistości i hańbią nas wszystkich. Pomimo licznych świadczeń materialnych, jakie bogate i dobrze zorganizowane społeczeństwa zapewniają ludziom w podeszłym wieku, w przywracaniu tej szczególnej formy miłości, jaką jest cześć, wydaje się, że wciąż jesteśmy na początku drogi. Musimy zrobić wszystko, aby zapewnić osobom starszym lepsze wsparcie. Zacznijmy od takiego wychowania młodych, aby rozumieli oni poszczególne etapy życia człowieka, by mieli na uwadze szacunek wobec osób starszych. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Je salue cordialement tous les Polonais. Dimanche, nous célébrerons la fête de la miséricorde divine. Le Christ nous enseigne que l'homme ne fait pas seulement l'expérience de la miséricorde de Dieu, mais qu'il est également appelé à la manifester à son prochain. Je vous suis particulièrement reconnaissant pour votre miséricorde envers tant de réfugiés d'Ukraine qui ont trouvé en Pologne des portes ouvertes et des cœurs généreux. Que Dieu vous récompense pour votre bonté. Prions également avec confiance le Christ miséricordieux pour les personnes âgées, les malades et les affligés. Que le Christ ressuscité ravive en nous l'espérance et l'esprit de foi. Je vous bénis de tout mon cœur. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, w niedzielę będziemy obchodzili święto Miłosierdzia Bożego. Chrystus uczy nas, że człowiek nie tylko doświadcza Bożego miłosierdzia, ale także jest powołany, aby okazywał je swoim bliźnim. Szczególnie dziękuję wam za miłosierdzie wobec tak licznych uchodźców z Ukrainy, którzy w Polsce zastali otwarte drzwi i hojne serca. Niech Bóg wynagrodzi was za waszą dobroć. Z ufnością módlmy się do Chrystusa Miłosiernego także za osoby starsze, chore i doświadczone cierpieniem. Niech zmartwychwstały ożywi w nas nadzieję i ducha wiary. Z serca wam błogosławię. Après le résumé en polonais, à présent, le Saint-Père va adresser ses salutations et sa bénédiction aux fidèles et aux pèlerins de langue italienne. Il n'y aura donc pas de résumé de la catéchèse, car la catéchèse avait été donnée en italien. Pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je souhaite une cordiale bienvenue aux pèlerins de langue italienne. In particolare saluto i sacerdoti della diocesi di Milano. Je salue en particulier les prêtres du diocèse de Milan qui célèbrent leur 40e anniversaire d'ordination. I diaconi del Collegio Internazionale del Gesù. Les diacres du Collège International du Jésus. Les sœurs servantes du Seigneur et de la Vierge de Matara. Les novices et les jeunes de diverses congrégations. Ces jeunes si muovono, sont dynamiques.
J'assure chacun de mes prières pour que le Seigneur accompagne et soutienne votre chemin de fidélité et de consécration à lui. Avec une affection particulière, je salue les préadolescents du diocèse de Milan. Chers jeunes, regardez Jésus ressuscité pour trouver en lui le modèle et la force de vivre pleinement les richesses de votre âge. Enfin, comme d'habitude, mes pensées vont aux personnes âgées, aux malades, aux jeunes et aux nouveaux mariés. Que le message qui découle du mystère de la résurrection soit pour tous un engagement à reconnaître que dans l'événement du Christ, la vérité la plus profonde sur l'homme est proclamée et son destin tracé. À vous tous, ma bénédiction. Le Saint-Père vient donc là de saluer les fidèles de langue italienne à présent. C'est le Notre Père qui est chanté en latin. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Le pape vient de donner sa bénédiction. Amis auditeurs et chers téléspectateurs, nous sommes là à la fin de l'audience générale au cours de laquelle le pape François a donné sa catéchèse qui avait pour thème « Honore ton père et ta mère », l'amour pour la vie vécue. Cette catéchèse qui est la première sur la place Saint-Pierre depuis la pandémie. Nos salutations vont à tous ceux qui nous ont suivis à travers les télévisions et radios partenaires. Radio Salve Regina en Corse, Radio Notre-Dame, EWTN-TV, Radio Espérance, C'est les Lumières TV, Radio et Télévision Catholique Elikia à Kinshasa, Radio Maria République démocratique du Congo, Ecclesia TV de Côte d'Ivoire, Sancta Maria Network au Liban, Voix du Seigneur, Média catholique au Canada. Vous étiez pour cette audience générale avec Christian Combé. C'est là la fin, le pape qui salue les invités. Et merci d'avoir été avec nous durant ce temps de l'audience générale et la catéchèse donnée par le pape François. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ.